Je sors au bowling avec les copains. Il y a beaucoup de soleil, comme vous pouvez le voir ici. Ouais. Du coup, je préfère mettre mes lunettes de soleil parce que j'ai lu dans un article une fois que si vous mettez trop vos yeux, tu regardes, en gros, si tu regardes le soleil, tu peux devenir aveugle. Donc, prévention avant tout. Et voilà, on fait gaffe. Et du coup, là, c'est mon deuxième vlog parce que dernière fois, j'étais allé acheter du Dr Pepper. Et en fait, il faut pas acheter des bouteilles, il faut acheter une gourde. Putain, il tape le soleil. Alors, les amis, on arrive au bowling. Donc, maintenant, on va jouer au bowling. Alors, le bowling, qu'est-ce que c'est? Je vous explique vite fait. Donc, en fait, c'est. Oh! Alors, vous avez une boule de bowling. Et il y a 10 quilles. Et vous devez lancer la boule et éliminer le plus de quilles. Et en fait, vous jouez 10 fois. Et à la fin, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Sinon, allez sur Wikipédia et vous tapez bowling. B-O-W. Alors, oui, c'est pas B-O-U, c'est B-O-W. Bonne soirée à tous. Je suis content de me voir en plein milieu de cette partie. J'espère gagner. C'est moi, Kevin, et j'ai 12 points. Donc, là, l'avancée de la partie. Alors, je viens de faire deux streaks de suite. Je suis CR7. C'est moi là. Et je suis à 54, mais je mets pas mes points encore. J'espère que la victoire sera mienne. Pour la prochaine fois. Alors deuxième partie, on attaque et direct c'est un strike pour moi avec ma tête en fond et Charlie Lee qui joue mal. Pas mort. Bon voilà, j'ai mis un peu de temps pour finir mon vlog parce que voilà, j'ai pas fait de vidéo direct sur le coup après les résultats parce que j'étais un peu sur le choc de la défaite. Je m'espérais gagner, j'ai pas gagné, c'était pas. Pardon. Voilà, j'ai perdu. Heureusement, après, quand je suis rentré, j'avais ma casquette Tour de France à points rouges. Et ça a été un peu mon bonheur qui était de retour sur ma tête. Donc, j'ai voulu faire la vidéo. Voilà, je la fais maintenant, posée, sans rancœur, sans tristesse. Même si c'est toujours dur. Et voilà, je félicite Tolami sur Instagram. Pour sa victoire et il y aura d'autres, on aura d'autres, je gagnerai un jour et j'enlèverai cette tristesse que je cache au fond de moi. Merci à tous. Ouais, du coup j'ai eu des soutiens qui me sont parvenus après cette vidéo que je vais vous inclure dans la vidéo et du coup j'ai demandé sur Instagram si vous voulez certaines personnalités pour venir voilà, passer un petit message, ils l'ont fait gentiment. Donc voilà, maintenant il y a une petite minute 30 de personnes qui parlent de ce match de bowling, qui restera dans les annales, je pense. C'est sûr. Ma première défaite en 14 ans de carrière, ça restera pour toujours, malheureusement. Une fissure. Et du coup, voilà, il y a des amis à moi, il y a des certaines personnes dont on n'est pas trop copains, mais qu'on m'a dit de mettre. Voilà, j'ai pas envoyé un message, ça a été fait facilement. J'espère que ça vous plaira et bah, à plus dans le bus pour un prochain vlog. J'ai déjà dit à plus dans le bus tout à l'heure, mais je me suis trompé. Voilà, j'espère que ces messages vous auront plu. Dites-moi en commentaire, likez et partagez à toute berzingue. Et on se dit voilà, à plus dans le bus. Et je mets l'Instagram de Tolami en description. Allez le suivre en masse, c'est un champion de bowling. Il fait des streaks comme personne et des spars. C'est un ouf. J'ai déjà dit à plus dans le bus tout à l'heure, mais je me suis trompé. Voilà, j'espère que ces messages vous auront plu. Dites-moi en commentaire, likez et partagez à toute berzingue. Et on se dit voilà, à plus dans le bus. Et je mets l'Instagram de Tolami en description. Allez le suivre en masse, c'est un champion de bowling. Il fait des streaks comme personne et des spars. Qu'avez-vous pensé de cette partie de bowling? Eh bien, Théo, c'est vraiment mon super meilleur ami. Je l'aime comme un frère. Il est si sympa et tout. Mais Tolami a vraiment été bien plus fort. Je peux pas comprendre comment il a fait, mais c'est un monstre du bowling. Allez le suivre sur Instagram. Son Instagram, c'est Tolami. Il aime bien quand on fait ça. Ouais, c'est fou tout ce qui s'est passé dans cette partie de bowling. Ouais, c'est fou, non? Il a gagné de plusieurs points sur les deux parties. C'est malade, non? Tu trouves pas, The Rock? Ouais. Hein? Ouais. Oh, ouais, c'était fou. Théo, c'est comme mon frère aussi. Ouais, je parle pas, mais je parle. Ouais, et il est vraiment trop cool. Putain, yes, ouais. Tu comprends ça? Ouais, tu comprends? Ouais, de ouf. Salut, c'est Nagui. Ça va bien, c'est Nagui?
Moi ça va. Comme c'est écrit au-dessus, c'est Nagui. Enfin, en dessous, pardon. Ah oui, la dot. Bébé 20 et gosse, t'as fini mon code. Moi, c'est la vie de rêve. Ouais. Salut Théo Carré, tu le sais. Tolami, je t'aime. Merci. Wesh la zone, bien ou quoi? C'est Jules. Salut, c'est Jean-Luc Reichmann. Oh là là, super partie de bowling. Regardez, j'ai des tomates dans mon jardin. C'est des belles tomates, hein? Et alors cette partie, oh là là, mon pote Théo, il est trop fort au bowling, mais Thomas, c'est le meilleur. Salut, c'est Nelson Montfort. Je voulais vous dire que Thomas Lamy est vraiment trop fort au bowling et que je rêve de l'interviewer. Voilà, bisous à tous, c'est Nelson Montfort. J'ai déjà dit à plus d'un but tout à l'heure, mais je me suis trompé. Voilà, j'espère que ces messages vous auront plu. Dites-moi en commentaire, likez et partagez à toute berzingue. On se dit, voilà, plus dans le bus. Et je mets l'Instagram de Tolami en description. Allez le suivre en masse, c'est un champion de bowling. Il fait des streaks comme personne et des spars.